chèvres. C'était un passage de mes chèvres et j'ai subitement, mes yeux ont été attirés par un petit trou, genre trou de guêpe, vous savez. Mais sauf qu'il y avait une toile d'araignée dessus. Donc ça m'a intrigué, j'ai enfoncé mon bâton dans le trou, j'ai vu que c'était profond. Puis après j'ai oublié. Et puis c'est quelques jours après, je me suis souvenu. Et donc là, j'ai voulu... j'ai agrandi légèrement le trou et avec une lampe de poche, j'ai voulu éclairer, voir un petit peu ce que c'était que ce trou. Et en fait, ma lampe de poche est tombée dedans. Et j'ai entendu que c'était profond. J'ai pris un appareil photo, j'ai fait des photos et j'ai regardé sur mon ordinateur. Et là, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, à quoi correspondaient les différentes photos que j'avais prises. Donc j'ai agrandi le trou et je suis rentré dedans. Et là, je me suis aperçu que j'étais à la clé d'une voûte, d'un souterrain annulaire en fait. Voilà. Donc la découverte de ce souterrain qui était intact, on ne sait pas depuis quelle époque, c'est une pierre plate qui est posée sur du charbon de bois. On l'a soulevée, on ne va pas y bouger maintenant. Elle est posée sur 5-6 morceaux de charbon de bois. Dans le charbon de bois, c'est fréquent qu'on en rencontre dans les entrées du charbon de bois, à l'entrée des souterrains. Une des raisons peut-être, c'est que s'il y avait un habitant en torchis qui a brûlé, etc. Voilà. Indépendamment de ça, on le voit ici, on est dans l'anneau. L'anneau est sectionné par cet empierrement qui peut correspondre à un affaissement et à une réparation ultérieure. Cette partie-là donc constitue, donc on dit un anneau, mais autrefois au 19e siècle, début 20e, on parle plutôt de souterrain à pilier, considérant qu'à ce moment-là, la partie centrale est un pilier, dont les diamètres sont de l'ordre à peu près moyen 5 mètres. La galerie annulaire est très fréquemment dans cet ordre d'idée. Ici, on a un petit conduit vertical. Souvent, c'était des très petits diamètres. Hein. Là, c'est en forme d'entonnoir écroulé. Donc ça correspond au sol d'origine. On est en face de ce qui constituait probablement l'accès d'origine du souterrain. C'est le goulot. Et donc, ces souterrains, dans leur conception d'origine, s'il n'y a pas eu d'autres usages de modification, ont accès par un goulot de 45 cm de diamètre. Et ici, ce qu'on appelle un diverticule, dans lequel on retrouve très peu d'artefacts de mobilier, etc. Ici, on a retrouvé ce qui est un piochon qui a dû servir au creusement du souterrain. Le métal a totalement disparu, il est sous forme d'oxyde de fer, mais on a la forme de l'outil. Et un peu plus loin ici, là, un fond de poterie globulaire. Ces poteries globulaires, c'était ces poteries qui étaient, où le fond était arrondi, pour les mettre dans les foyers pour faire chauffer les aliments. Mais souvent, il y a des traces de ce fond de poterie globulaire, il manquait toute la partie supérieure. Apparemment, n'a jamais été au feu. Elle était intacte intérieure, mais elle n'était pas noircie par le feu. Elle était très peu, très très mince. Et elle a été datée à la thermoluminescence. Enfin, on est daté du haut Moyen Âge. Où est-ce que t'es là? Au plus bas, au plus bas. Ouais, mais t'es parti sur la gauche? Non, mais ouais, mais c'est pas important. Mais comme vous voulez maintenant. Ah, d'accord. Ouais. C'est une structure qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les souterrains annulaires. Souterrains dits annulaires pour les différencier d'autres types de souterrains. Donc annulaires avec un anneau, deux anneaux ou trois anneaux. Voilà. Ici, on n'a que du couloir, on n'a jamais de salle. On est sur un labyrinthe de galeries dans certains cas. On peut avoir un anneau circulaire, un grand anneau circulaire, dans lequel est inclus un deuxième petit anneau. La disposition des anneaux entre eux est vraiment diverse. Hein. Ils sont en quinconce, accouplés, on a beaucoup de cas de figure. On a les mêmes un peu énigmatiques dans la Basse-Autriche. Les Herstal, ils sont moins grands que ça.
Ils sont sur deux étages souvent, avec des goulots verticaux. Et donc, ils sont très petits, donc ils sont liés, comme ici, à l'habitat, aux fermes, notamment autour des fermes, il y en a tous. Donc, une des hypothèses, c'est que si on a l'époque gauloise, les Boyens qui étaient venus avec les Helvètes, hein, oui. Et que les Édouins alliés de César avaient demandé que César les aide à les repousser, il est resté environ, ce que dit César, il est resté 10 000 survivants des Boyens que les Édouins ont autorisés à s'installer aux marges de leur pays. Comme ils venaient des régions dans les mêmes souterrains, c'est l'une des hypothèses qu'ils ont ramené leur tradition avec eux. Voilà. Descendu d'eux, là. En surface, on a des traces d'habitat. Ça donne que sur ces sites, en surface, on avait des traces d'habitat, comme on le retrouve également sur les versants de la Loire. Puisqu'on ne sait pas ce que c'est, on va pouvoir dire que c'est lié aux croyances, hein, c'est lié aux pratiques religieuses, ou au monde funéraire. Dans ce domaine, on a des éléments, mais sur un souterrain précis donné, on n'a rien. On n'a que simplement des visions générales, puis sachant que l'Église les avait condamnés comme sites païens. Donc dans le monde funéraire, ça trouve que ça, à l'heure actuelle, on n'a rien qui nous l'a dit de manière concrète. Une des hypothèses envisagées, c'est que chez les Gaulois, et dans leurs croyances religieuses, après la mort, ils séparent l'âme et l'esprit pour schématiser. L'âme va partir avec la divinité et l'esprit va rester sur place et se réincarner dans le clan. Mais pour se réincarner, il faut avoir été enterré à proximité du village, il faut avoir été enterré en fait là où on a vécu. Et donc l'âme va se réincarner dans la descendance des petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc une hypothèse qui va être envisagée d'après des études sur la mythologie, sur les croyances anciennes, ce serait éventuellement donc la maison des esprits. On a des dates d'occupation, grâce au carbone 14 ou à la céramique, on peut dater en thermoluminescence. Donc on s'étale entre 300 après Jésus-Christ jusqu'à 900. La roche est délitée de manière brutale. Mais des fois, le gore se creuse très bien comme du calcaire et on fait des formes parfaites. Et toujours, ils sont en pente, parce que ça aussi, c'est pas un jeu professionnel. À usage technique, vous creusez des galeries avec des marches plates. Voilà, donc on voit bien qu'on n'a pas d'usage fonctionnel. Parce qu'à usage pratique, le gore elle-même, vous creusez à l'horizontale, pour la question de l'entreposer, etc. Il existe une société constituée donc en société française d'études des souterrains qui a une implantation au niveau de l'Europe. Ce n'est pas une société de savants, c'est une société qui regroupe tous les gens qui s'intéressent au sujet et qui veulent y participer. Et puis également, au sommet, des gens qui sont au CNRS, quelques archéologues, etc., des scientifiques de différentes... Mais il s'agit surtout de résoudre l'énigme de ces souterrains, quel était leur usage. Alors, si on fait ça, on sait qu'on ne va pas forcément avoir des résultats. Le résultat est très aléatoire. On le fait parce qu'on cherche, et comme on cherche par définition, on ne sait pas si on va trouver.